Bonjour. Du coup, c'est encore nous. Donc cette fois-ci, on vient vous voir parce qu'on n'est plus en casting. Enfin, si, on fait encore un petit peu des castings pour Claudio, mais... Non, mais il n'y a qu'à dire que non. Voilà, il n'y a qu'à dire que non. On vient vous voir aujourd'hui parce que ça va bientôt commencer, à savoir que donc on a réparti le tournage de la web-série en deux parties. On fait la première partie là fin mars et... La deuxième. Voilà, on fait une petite vidéo pour revenir sur le terme de pilote, parce qu'on voudrait être sûr que c'est clair pour vous ce qu'on fabrique. Alors on dit qu'on fait une web-série, oui, parce que c'est une série de plusieurs épisodes qui va être diffusée principalement sur le web. Donc ça c'est une web-série. Mais la nuance qu'il faut apporter, sur laquelle on n'a peut-être pas assez insisté dans la première vidéo, moi je trouvais ça important d'y revenir, c'est que c'est un pilote. Alors quelle est la définition de pilote? T'as un dictionnaire? Non, mais c'est ton métier, tu as appris le cinéma. Un pilote, c'est un essai, quoi. C'est une tentative de faire quelque chose. Je sais pas, moi. Bon, voilà. Un pilote, c'est une tentative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, pour vous? Ça veut dire qu'on a conscience qu'on va faire des erreurs. On va se viander royalement. Mais on bien le sûr, sait. Il est optimiste. Non, mais je suis optimiste. On va se viander royalement parce qu'un pilote, c'est un essai. Et un essai, c'est fait pour ça, c'est fait pour pouvoir se viander. Alors, ça veut pas dire... qu'on vous dit de pas regarder. Le professeur Rollin est de retour. Ça veut pas dire qu'on vous dit de pas regarder. Ça veut dire qu'on vous dit de regarder même si vous êtes sûr. Et de nous faire la leçon. Voilà, ça veut dire qu'on vous demande de regarder même si vous êtes sûr d'avance que vous allez pas aimer. Parce que nous, on s'en fiche que vous aimiez ou que vous aimiez pas. Si vous aimez, c'est super, on est très content d'avoir réussi à vous plaire du premier coup. Mais c'est pas facile de plaire à tout le monde du premier coup, c'est même très rare de plaire à tout le monde tout court. Du coup, si jamais vous n'aimez pas, on est ravis parce que ça veut dire que vous allez pouvoir nous en parler, nous faire des retours, nous dire là, ça c'était pas terrible, ça aurait pu être mieux si ça avait été comme ci, comme ça, moi, là j'aurais bien aimé qu'il se passe ça, ou j'aurais bien aimé que vous rajoutiez ça dans la série en plus. Comme ça, nous, derrière, on peut retravailler pour encore améliorer le concept, parce que là on a un concept de base, mais un concept ça doit s'améliorer tout le temps, pour encore améliorer le concept, pour ensuite créer une, deux, trois, 25 saisons, 30 saisons. Donc le tournage commence, et la partie du tournage qu'on fait là, c'est le narrateur. Et donc si vous avez des questions à lui poser à ce narrateur, sur le rôle qu'il joue, qu'est-ce qu'il va raconter, bah n'hésitez pas. Oui voilà, donc le narrateur c'est moi en l'occurrence, et voilà, on vous dévoile une partie du casting. Si vous avez des questions, j'essaierai de répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le projet en général, de manière plus générale sur le théâtre ou sur le cinéma, si vous en avez, j'essaierai d'y répondre, avec mes maigres connaissances en la matière. Et puis, si vous en avez sur la pièce en particulier, vu qu'on vous a annoncé que ce serait beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, si vous en avez sur Shakespeare, si vous avez des questions qui vous viennent sur le sujet, en fait, n'hésitez pas, voilà, on commence là, ça démarre, ce bout de tournage, du coup je vais être en personnage quasiment H24, et du coup, tant que je suis dans le personnage, venez à la rencontre de ce personnage, profitez-en, posez-nous plein de questions sur la page de Alentrac Moteur sur Facebook, par message privé, par mail, par texto pour ceux qui ont mon numéro de téléphone et qui nous regardent, n'hésitez pas, envoyez vos questions, et puis nous, on va essayer de vous fabriquer une petite boîte à questions. Dis au revoir. Au revoir et à bientôt.